大家好，我是波尔多老曹。今天我们来到了波美侯产区的康瑟阳酒庄，这是一间拥有梦幻般紫罗兰色彩的酒庄，让老曹带大家领略一下它的风采。今天老曹非常荣幸地请到了康瑟阳酒庄的总经理马黑埃尔女士来给大家介绍一下她的酒庄。 Bonjour, 马黑埃尔。 Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci. Bienvenue au château La Conseillante, propriété de la famille Nicolas depuis 1871. Ok. Donc aujourd'hui, nous fêtons les 150 ans de la famille Nicolas, propriétaire de La Conseillante. Ok. Je vais déjà vous raconter pourquoi ça s'appelle La Conseillante. La Conseillante vient de Catherine Conseillant, qui était l'ancienne propriétaire dans les années 1700. Ok. Nous sommes à Pomerol, sur le plateau. Donc Pomerol étant l'appellation la plus petite de Bordeaux, à La Conseillante nous avons 12 hectares de vignes, ce qui paraît petit, mais finalement qui est une taille assez confortable pour l'appellation. Ok, très bien. 康瑟阳酒庄地处法国波尔多右岸的波美侯产区，与老瑟丹酒庄和勒王吉酒庄毗邻，是波美侯最好的酒庄之一。酒庄的历史可以追溯到18世纪中期，当时的庄主是凯瑟琳·康瑟阳女士，酒庄的名字便由她而来。1871年，尼古拉斯家族收购了酒庄，得益于该家族的精心管理，在不到20年的时间里，酒庄便在波美侯产区赢得了良好的口碑，出产的葡萄酒颇受欢迎且价格不菲。如今的康瑟阳酒庄由尼古拉斯家族的第五代传人共同管理。2013年，酒庄又聘请了米歇尔·罗兰担任酿酒顾问，总经理兼酿酒师一职则由马黑埃尔·嘎奏女士担任，也就是今天接待我们的这位了。Là, je viens juste de finir les vendanges. Oui. Donc, je vais vous amener un peu dans les vignes. On va aller discuter ensemble sur la façon dont on taille. Et on va. Ça, c'est une vieille vigne de Merlot. Okay. On voit que le cépage de Merlot. Et là, on a vraiment un pied qui a 70 ans. Wow, déjà 70 ans. Là. Voilà, wow. Ce sont vraiment des vieilles vignes. Vous voyez, ils sont très gros. Et on a une belle feuille de Merlot, okay. Avec un rouge automnal. On n'a plus de grappes puisqu'on les a vendangées la semaine dernière. 康瑟阳的葡萄园位于波美侯的中心地带，面积有12公顷，种植了 80% 的梅勒和 20% 的品丽珠。葡萄园的四面被四个大名庄包围着，分别是博图斯酒庄、老瑟丹酒庄、勒王吉酒庄和白马酒庄。其中有四公顷的葡萄园被封闭在白马酒庄里。自18世纪开始，这四公顷土地就被特别批准以波美侯产区的名义来酿酒。所以康瑟阳葡萄酒的独特之处就是，既有波美侯的特点，又有圣埃美隆的风格。Donc ici nous sommes dans le cuvier. Ok. Ce cuvier a été refait en 2012, dans une intention de vraiment faire de la vinification parcellaire. Comme on voit, nous avons des cuves qui se ressemblent, mais qui sont finalement de capacités différentes pour accueillir chaque parcelle va dans une cuve. Okay. Donc nous avons des cuves de 50 hectos, 60 hectos, 35 hectos. Ah, c'est différent de volume. Exactement. On ne dirait pas, mais elles sont différentes, ce qui permet, comme là, par exemple, le 2 octobre, nous avons vendangé une parcelle qui s'appelle Dubuche Merlot. Okay. Et il y a 30 hectos de vin dedans qui sont en train de finir de fermenter. Nous sommes maintenant dans le chai à barrique et amphores de La Conseillante. Okay. Nous utilisons ces amphores à hauteur de 3% dans le vin pour apporter vraiment un côté fruité et crispy en venant remplacer un tout petit peu la barrique d'en vin. Parce que nous utilisons bien sûr des barriques neuves. Mm-hmm. Nous avons 70% de barriques neuves, 27% de barriques d'en vin. Des barriques, bien sûr, de chêne français, c'est très important. Mm-hmm. Et nous utilisons ces barriques pendant 18 mois d'élevage. Wow, 18 mois. 18 mois pour avoir le temps vraiment de bien fondre les tanins. 康瑟阳的酒窖绝对是小而精的代表。这里采用的全部是传统的酿造方式。为了让酒体更加优雅，酿酒师并不会用很高比例的新桶，并且每隔一段时间就需要来做一次倒桶的工艺，慢慢的使酒液澄清，最大限度地保留果实最真实的一面。波美侯产区在波尔多也是一个小而精的产区，每家酒庄的产量都不大，
但是酒质绝对一流。康色阳的副牌酒产量一年有6000瓶左右，而正牌酒一年仅仅只有42000瓶，可谓是少之又少。Donc Hugues, je vous propose de déguster 3 millésimes. Alors comme nous sommes en 2021, on va d'abord commencer par le millésime 2011, puisque ce millésime donc a 10 ans cette année. On va goûter le 2011 ensemble. C'est un millésime que j'aime bien parce que c'est un millésime qui n'est pas catégorisé comme un grand millésime, comme 9 ou 10 à Bordeaux. Donc qui était beaucoup moins cher, cela dit, mais qui aujourd'hui se déguste très bien. Et la conseillante, vous allez voir, au bout de... Oui, on commence à la sentir. Au bout de 10 ans, on a le côté vraiment truffe noire dans le vin. La truffe vraiment qu'on coupe. Et ce côté truffé, il est donné par le plateau argileux. Donc là, on a deux frontières avec, je vous disais, Pétrus. Sur cette boutonnière argileuse-là, nous avons l'argile et les merlots qui sont plantés sur argile et ça donne vraiment, avec du vieillissement, ce côté truffé. Okay. Donc je vous invite à goûter. Et on est sur vraiment le crémeux de Pomerol, avec une belle attaque soyeuse. Et la construction, le côté vraiment soyeux, et concentré, c'est aussi les merlots sur argile qui le donnent. La finale fraîche sur la partie ici côté cheval blanc avec les cabernets francs qui sont là et les merlots sur grave ici, on a une salinité, on a une fraîcheur de finale qui sont assez intéressantes dans ce vin. Ce vin, il est sympa à boire aujourd'hui sur un bœuf, un canard laqué, c'est délicieux. Mais on peut aussi le garder encore 10, 15 ans sans problème. C'est peut-être pas un millésime qu'il faut attendre 40 ans, mais 20, 30 ans sans aucun problème. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un terroir magnifique. C'est très fruité, c'est... Il y a du fruit et de la truffe. Moi, j'aime bien parce que vraiment, on a et le côté un tout petit peu évolué et encore beaucoup de concentration et d'arôme dans ce millésime. Deuxième millésime, alors beaucoup plus récent. Donc celui-là, je l'ai fait puisque je suis arrivée en 2015. C'est le millésime 2017. Millésime 2017 qui est connu à Bordeaux parce qu'il y a eu le gel, quand même il y a pas mal de propriétés qui ont gelé. Nous sur Pomerol, comme on est un tout petit peu en hauteur, on n'a pas eu de gel en 2017 et c'était une année finalement très précoce qui donne des vins d'un grand éclat aromatique. Alors aujourd'hui on va dire que c'est un millésime qui est encore un peu jeune et pareil, on va dire un peu dans l'ombre de 2015 et 2016 et puis ensuite de 18, 19, 20, on a eu beaucoup de chance, on a eu des grands millésimes ces dernières années. 2017年是一个既凉爽又带有清脆感的年份，酒体里面紫罗兰的香气跟屏风的颜色一样融为一体，另外各种爆棚的水果香气和花香伴随着带有波美侯独特的奶油质感，丹宁的质地也非常的绵密柔软。马黑艾勒对我说，我们一般不会定义这款酒它是男性化或者女性化，但它确实是力量感十足，同时香气馥郁，也就是说，它外表看起来像男人般强壮，但内在却如女人般温柔优雅。随后，我们又品鉴了第三款酒，康色阳正牌的2020年份。这款酒还没有上市，我们现在喝到的还是七酒。那深邃的颜色和黑色水果的香气，让我一下子就被吸引住了。品丽珠多汁的感觉支撑着酒体，让酒有了悠长的回甘。能感受到这个年份的阳光十分充足，这足以让它拥有30年甚至40年的陈年潜力。2020年又是一个波尔多重酒庄获得极大成功的年份，对于康色阳来说更是如此。Hugues,
J'ai préparé cette bouteille de Conscient 2017 pour votre client chinois. Et d'ailleurs, bah, j'espère accueillir bientôt tous vos clients à la conseillante. Bon. Merci. Merci. OK, bon. Merci, Marielle. Merci de rien, beaucoup. De rien.今天老曹非常荣幸地得到了一瓶2017年的康瑟阳正牌。非常感谢 Marielle 女士。今天老曹的签酒成功。完了。